Et c'est parti pour 100 km. Bientôt 2h du matin, même parcours que le départ, 21 km. Kilomètre 35, 4h du matin, troisième ravito. Le jour se lève. Une montée horrible. Il est 5h34. Bientôt la moitié. Non, en fait, encore 10 avant la 5h. Cette montée était vraiment horrible. Mais ça valait le coup pour le beau point de vue. Et le soleil qui se lève. Voilà. Ça va rien d'aller trop vite. Sinon, j'aurais juste tout ça dans le noir. Ben voilà, maintenant il faut redescendre. Je viens de courir, ça faisait un moment, plus que 4 km et c'est la moitié. Voilà le ravito de Bastille, 50 km. Donc voilà, changé, j'ai bu, j'ai mangé, je me suis reposé une demi-heure. C'est parti pour la deuxième. Et voici la Chartreuse de la Verne. Au loin, le golfe de Saint-Tropez. Voilà, 60 km. Et que 40. Tout va bien. Il fait beau. Pas trop chaud. J'ai ce putain de mal de hanche que je traîne depuis 40 km. Mais à part ça, tout va bien. J'ai mes béquilles. Rectification. Il fait quand même chaud au soleil. Alors que je vois la voir du tout. On est là, kilomètre 75, col de Babaou, ravito. Ça veut dire qu'il reste plus que un quart. 25 km. Bientôt 80. 14h30, 87 km. Barrage, dernière vitesse. Allez, montez. Allez, bientôt l'apéro. On part 6 km. Les premières marches. 2 km de l'arrivée. Ah,
Allez, bravo à toi, tu es finisher. On ne sait pas quelle course, puisqu'on ne voit pas ton dossard. Ils sont.